Fille de Zelzal, elle est là, regardez-la. Zelzal, on en parle beaucoup. Magnifique. Ah bah c'est beau de bac. Ici, le sang de Sea of Stars. La mère a gagné à 7 reprises. Jument parisienne. Vous voulez beau de bac, racheté. Une belle famille des frères. Vous en voulez beaucoup. La souche de animatrice. Pas plus en tout cas. Combien voulez-vous pour débuter les 30 000 euros, c'était excellente présentation hier sur cette piste. Un des plus gros prix de cette vacation. Zelzal, on les voit beaucoup. Ah, Zelzal, tiens, on en parlait. On en parlait justement, comme la vie est bien faite parfois. On n'a même pas vu. 20 000 euros, la fille de Zelzal à 20 000. Franciscaine. 20 000, 10 000, on les bute à 10 000 euros. Allons-y, 10 000. Élevé par M. Jacques Jean et présenté par l'écurie Prévost-Barat. La mère est par Falco. À 12 000, à 12 000 euros qui prend. Descendance de Saint-Dolflag. Donc c'est la famille Vertemer, celle d'animatrice, celle de tant de bons chevaux. Fleeting également, pour Aiden Bryan, je crois qu'il avait 17 000 été placé de l'Opéra, placé des Oaks, et notre Demihill. Si vous voulez, si, tu sais, aux courses, ils font souvent les prix du cheval le mieux présenté, mais je crois qu'il faudrait les donner à l'écurie Philippe Prévost-Barat, parce que chaque fois, ils sont splendides, les chevaux. Ils ont un poil de souris, ils ont des... On félicite l'équipe, on félicite toute l'équipe de Philippe Prévost-Barat, en Calvados. 25. Ah oui, ça fonce. 26, 30, 30 000, à 30 000 euros l'enchère. La mère, qui est donc par Falco, qui a donné un Galloway cette année. Galloway qui... Lui, il fait feu de tout bois dans toutes les disciplines. C'est en fin de vente qu'il passe le Galloway là, avec son action de 8 km. Oui. À 35 000, c'est la même. Il y a un Galloway à suivre tout à l'heure. On va en parler. Ouais. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur le Zelzal à 37. Là, ça explose. Là. Ça part dans tous les deux côtés. C'est vraiment Marc-Antoine Mercrache qui en met. Belle pouliche de Zelzal. Toby Jones que téléphone. À 42,5. Maintenant, à 45 000 euros de nouveau chez vous, Solène Lanchère. Là, on s'approche du top price qui, pour l'instant, était à 56 000 euros au tout début de catalogue. Là, nous sommes déjà à 48 000 euros pour ce Philippe Prévost-Barat par Zelzal. 50 000. À 13 en vue, Zelzal. 50 000. Toujours chez Solène Lanchère. C'est vrai que cette femelle, elle est vraiment super bien faite. Zelzal, il est monté à 15 000 euros la saillie cette année. Belle tête. Plein craqué, futur gros codor, sans doute. Et là, 55. Encore une enchère et on dépasse le top price. Ça y est, c'est fait. On atteint le top price, en tout cas. 56 000 euros. Allez, belle page. Très belle présentation. 57 000 euros. Online. Est-ce que c'est notre ami Alain Jatière, là? En tout cas, c'est Marc-Antoine Bergrache qui est en train d'en mettre des enchères. Je l'ai vu. Il est concentré là, à mon avis, il ne va pas lâcher l'affaire. À 59 000 euros, l'enchère à droite, toujours, il faut mettre 60. Tom Bertrache qui est avec ses clients historiques. 60 000 euros fait, là l'enchère à droite. Notamment Pandora Racing. 60 000 euros qui prend le relais, 60. Belle poulie. Belle réussite depuis des années, un des courtiers les plus confirmés. Un demi-tour. Aïe, pile demi-tour. Pile demi-tour. Il allait bien, mais... Ça devait être son plafond, sans doute, 60. Ah, le pile demi-tour. Mais des fois, ils reviennent comme ça, au dernier moment. Ouais, c'est ça. Continue à 60 000 euros, l'enchère est online. Pas de regret, Solène, ils étaient deux chez vous. Merci de votre aide. À 60 000 euros, pas de regret nulle part. Je vais voir à gauche. Dernière fois, dernier appel, last time, last call, c'est sûr. Je peux la juger, la fille de Zelzal, à 60 000 euros. Le marteau se lève, online, à 60 000 euros. L'enchère est donc online par vous mettre, pas d'erreur. On adjuge. 60 000, Mandor, monsieur Alain Jatière, merci. Alain Jatière par via Mandor, en direct de Caracas. Eh bien, les deux top prize pour Alain Jatière. Ouais.